Castrignano del Capo, c'est la ville la plus au sud de la région des Pouilles et elle fait partie de l'Union des communes de la Terre de Leuca. Riche en charme pittoresque et précieux témoignages historiques et artistiques, le territoire de Castrignano s'étend entre la Serre de Vereto et le Cap de Santa Maria di Leuca. Les communautés de Salignano et Giuliano di Lecce appartiennent à Castrignano. Ils sont des bourgs historiques où la typique hospitalité grecque est encore très répandue et où il règne l'atmosphère authentique de l'accueil salentin. La mer de Castrignano est dominée par la beauté intemporelle de la côte de Leuca, caractérisée par les magnifiques formes du promontoire du Meliso et la physionomie de la puissante basilique pontificale de Santa Maria de Finibusterre, parmi les lieux de dévotion mariale les plus représentatifs en Europe. Les campagnes de Castrignano conservent l'héritage de la civilisation paysanne. Elle se manifeste dans les anciens murets de pierre sèche qui entourent les vastes oliveraies et les nombreuses terres agricoles, aujourd'hui encore cultivées et entretenues avec soin. Le centre historique de Castrignano del Capo exhibe ses édifices historiques, tels que l'église mère de San Michele, située en place Sant'Angelo, reconstruite au milieu du XVIIIe siècle sur l'ancienne église paroissiale. À l'intérieur, on peut noter des grands espaces architectoniques, caractérisés par la présence d'hôtels latéraux, de sèvres riches en stucs et décorations vives. Ici, on peut admirer la statue en bois du patron Saint-Michel l'Archange, réalisée en 1707 par Nicola Fumo, important sculpteur du baroque napolitain. Castrignano est attesté dans les documents déjà en 1265. L'ancien centre historique est situé dans les quartiers de Borgoterra, qui conserve encore une structure géométrique en damier. On y peut accéder par la place San Nicola, où il est possible d'observer la porte d'entrée principale au vieux bourg de Castrignano, dénommée Porta Terra. Elle est située dans la structure de Palais Fersini, bâtiment construit sur l'enceinte murale de l'ancien château féodal. Transformée en résidence nobiliaire vers la fin du XVIIIe siècle, la forteresse, déjà attestée dans la période médiévale, a protégé le centre urbain de Castrignano pendant des siècles. Dans les petites rues de Borgoterra, on peut observer les architectures traditionnelles salentines et des édifices riches de décorations datant du XVIe siècle, qui représentent l'élégance de l'ancienne société de Castrignano. Le centre historique de Castrignano révèle aujourd'hui encore aux visiteurs ses beautés archaïques. Il s'agit des structures urbaines qui montrent les nombreuses évolutions historiques de la ville, tandis que les monuments sculptés dans la pierre raconte aujourd'hui encore la dévotion religieuse populaire et l'identité communautaire des habitants. La Blanche. Probablement Leuca apparaissait dans cette manière aussi des anciens marins qui apercevaient sa caractéristique physionomie alors qu'ils traversaient les canals de Trente. Santa Maria di Leuca fait partie du territoire de Castrignano del Capo et elle est parmi les stations balnéaires les plus belles de la péninsule italienne, ainsi que les points les plus au sud des Pouilles, la pointe extrême du Talon d'Italie. La vocation religieuse de Leuca était déjà visible dans l'Antiquité. Notamment, un ancien sanctuaire dédié au dieu Zeus se dressait près de la grotte Porcinara.
Ainsi, les gens de mer qui naviguaient vers la mer Adriatique et la mer Égée laissèrent au cours des siècles leurs offrandes et leurs inscriptions votives afin d'apaiser les dieux et le sort. Mais c'est dans le christianisme que Leuca joue un rôle important pour la dévotion mariale des habitants du Salento méridional, en devenant au cours des siècles destination de pèlerinage pour milliers de pèlerins provenant de tout l'Occident, qui se rendaient en visite à l'église de Santa Maria de Finibusterre. Pour protéger le sanctuaire des incursions des ennemis provenant de la mer, les évêques de Alessano renforcèrent la structure de l'église pour la rendre stratégiquement plus sûre. À l'intérieur de la basilique, il est possible d'admirer aujourd'hui encore la précieuse toile vénitienne représentant la Vierge et l'Enfant, admirée au cours des siècles par des pèlerins illustres, y compris Pape Benoît XVI, arrivé à Santa Maria di Leuca en juin 2008. En face de la basilique, on peut admirer le phare de la marine militaire italienne, situé devant les restes de l'ancienne tour d'avertissement de Philippe II. Actif à partir de 1866, il mesure plus de 40 mètres de haut et surplombe tous les promontoires du Meliso, de sa position privilégiée surélevée à 102 mètres du niveau de la mer Ionienne. D'ici, on peut profiter de la magnifique vue sur la baie de Leuca, protégée par les deux promontoires du Meliso et de la Ristola. Le port des Plaisances, avec ses nombreux bateaux, est situé en face de la promenade Cristoforo Colombo et il enrichit la petite ville avec des traits d'une rare beauté qui fascinent les yeux du visiteur. Le paysage de Leuca est embelli par les nombreuses villas. Elles ont été construites entre le 19e et le 20e siècle, selon un goût éclectique. Les villas de Leuca ont été construites par l'aristocratie et la bourgeoisie salentine pour leur séjour d'été. Elles sont riches de charme exotique et rappellent les différents goûts architectoniques d'importants architectes comme Achille Rossi, Giuseppe Ruggeri et Carlo Luigi Arditi de Castelvetere. Dans le territoire de Leuca, on peut observer plus de 40 villas historiques. Elles sont des exemples de style unique qui enrichissent le même paysage côtier. L'église paroissiale de Cristo Rey se conjugue parfaitement avec l'éclectisme urbain de Leuca. Réalisée selon les projets du célèbre ingénieur Pasquale Ruggeri, l'église de Cristo Rey rappelle dans ses formes l'architecture médiévale de la fin du 19e siècle. Les espaces intérieurs sont solennels, caractérisés par un imposant système de piliers. Les vitraux, portant les blasons héraldiques des familles nobles de Leuca, s'intègrent parfaitement au contexte monumental. Leuca, avec son histoire millénaire, est le lieu représentatif de l'extrême cap méridional du Salento. Du promontoire à Pigio, on peut admirer dans sa totalité le charme antique de cette dernière portion de territoire, située parmi la mer Ionienne et la mer Adriatique. Dans l'arrière-pays du Cap de Leuca, Giuliano di Lecce est un hameau de la commune de Castignano del Capo. La communauté de Giuliano a des origines anciennes, comme en témoignent les présences mégalithiques représentées par le menhir Menzi, situé dans via Regina Elena. Le centre historique de Giuliano préserve sa beauté originelle. La structure urbaine
est caractérisée par la présence d'une ancienne porte médiévale, construite en ligne avec la rue principale qui traverse le bourg. En se promenant parmi les petites rues, on rencontre les balcons des moqueries, datant du XVIIe siècle, où des drôles visages surgissent des encoches dans l'élégant balcon. Le centre habité est caractérisé par la présence du château féodal. Il a une structure médiévale et il est doté des puissantes tours quadrangulaires situées aux côtés de l'édifice. L'édifice conserve aujourd'hui encore une partie du fossé, tandis que la façade principale est décorée avec une sobre porche datant du XVIIIe siècle, résultat de nombreuses innovations structurelles apportées au cours des siècles. L'église mère est très élégante et elle est dédiée au saint protecteur byzantin Giovanni Chrysostomo. L'édifice remonte au XVIe siècle, mais il a subi nombreuses rénovations. Sur la façade frontale, on peut noter un fort appel au goût néoclassique. Les modifications architectoniques ont été réalisées au cours des dernières années du XIXe siècle. Le clocher, positionné dans la zone absidiale de l'édifice, a été complété dans les mêmes années. L'héritage byzantin de cette ancienne terre est bien visible dans les restes de l'église de San Pietro, située en direction des campagnes, parmi les monuments religieux les plus vétustes du diocèse de Ugento Santa Maria di Leuca. Giuliano est un bourg très charmant, riche en histoire et beauté architectonique. Son passé résonne encore dans ses formes délicieuses, dans les espaces sobres et bien tenus, héritage vivant de la simplicité typique de la tradition sociale du Salento méridional. Le village de Salignano, grâce à la croissance démographique du XXe siècle, a été intégré dans l'aménagement urbain de Castrignano del Capo. La tour, datant du XVIe siècle, domine les bourgs de Salignano. Elle est le résultat de l'ingénierie militaire typique du royaume de l'empereur Charles V de Habsbourg. De plan circulaire sur son imposant périmètre, on peut noter les canonnières, tandis que son système de défense était caractérisé par la présence de 10 mâchicoulis renforcés. La tour a été restaurée récemment et elle est devenue un conteneur culturel utilisé pour les réunions des communautés et les ateliers éducatifs. Le bourg de Salignano s'étend autour de l'église mère, dédiée à Saint-André et reconstruite entre le XVIIIe et le XIXe siècle sur les sites de l'ancienne église paroissiale. La campagne de Salignano fait revivre aux visiteurs l'exquise beauté de la civilisation paysanne du Cap de Leuca, caractérisée par verdoyante et luxueuse étendue d'oliveraies, qui caractérise tous les territoires environnants. Facilement accessible en vélo ou à travers des parcours de randonnée, la petite église de la Madonna delle Rache, datant du XVIIe siècle, mérite une attention particulière. Elle est située le long du trajet qui, de Salignano, conduit à la basilique de Santa Maria de Finibusterre. Édifiée dans les années 1670, l'église est située sur une ancienne installation rurale que Tasselli identifie avec le nom de Crimino. En effet, derrière l'édifice, on peut noter des sépultures d'époque médiévale et des architectures typiques de la civilisation rurale. En promenant parmi les oliveraies et les murets de pierre sèche, on rencontre l'église de San Giuseppe, édifiée en 1630. Cet édifice est l'église de la Madonna delle Rache,
ont représenté pendant des siècles un lieu de passage pour les pèlerins qui, de l'arrière-pays salentin, se dirigeaient vers le sanctuaire de Santa Maria de Finisterre. Des terrasses de Salignano, on peut profiter d'une magnifique vue sur les oliviers séculaires, qui se mélangent lentement avec le blé de la mer ionienne. Silencieuse et réservée, la tour de l'homme mort ou des hommes morts surmonte la baie de Leuca. C'est un ancien témoignage du système d'alerte des tours côtières voulu par l'empereur Charles V des Habsbourg afin de défendre les côtes salentines des ennemis provenant de la mer. La tour communiquait autrefois avec Tour Marcello le long de l'axe nord-ouest de la côte et avec la tour de Philippe II situé sur le promontoire du Meliso. Le territoire côtier du Castignano del Capo conserve témoignages très anciens de la présence humaine. Nombreux artefacts datant de l'âge du bronze ont été récupérés près des Punta Ristola lors des fouilles menées par l'Institut d'archéologie de l'Université de Lecce. Probablement, dans cette zone, il y avait une implémentation liées à la petite économie agricole pastorale, comme en témoignent les différents fragments de céramique et os d'animaux d'élevage. Le passage de l'homme de l'Antiquité a été facilité par la présence dans le territoire de nombreux recoins et cavités naturelles, aujourd'hui visibles aussi le long de la côte de Leuca. L'ensemble des grottes marines de Leuca s'étend du cap de Santa Maria di Leuca jusqu'à la localité Ciardo, en direction de San Gregorio. Des grottes ont conservé des importantes traces paléontologiques, comme les restes d'animaux appartenant au climat chaud, y compris l'éléphant et le rhinocéros. La côte offre une beauté unique en son genre, caractérisée notamment par la traditionnelle toponymie des grottes, nom inventé par les anciens percheurs de la zone pour rappeler leurs formes et caractéristiques, comme la grotte des Trois Portes, la grotte des Jean et la grotte du Dable. L'arrière-pays aussi conserve d'importantes traces de l'ancienne présence de l'homme dans le territoire de Leuca. Par exemple, les grottes disposées le long des flancs des ravins qui traversent le territoire de la côte en direction nord. On recense plus de 43 grottes, des environnements difficiles à atteindre, utilisés comme refuge de sécurité quand la côte devient dangereuse à cause des attaques récurrentes provenant de la mer. Situé à l'intérieur du parc naturel régional Costa Otranto Santa Maria di Leuca et Bosco di Tricase, la côte de Leuca englobe un magnifique paysage, étape obligée pour tous les visiteurs du Salento. En marchant sur l'esplanade, on peut admirer les aimables formes du promontoire du Meliso, recouvert par la forêt méditerranée, est traversée par la cascade monumentale, œuvre qui célèbre la fin du long réseau hydrographique de l'aqueduc des Pouilles. L'histoire de Leuca est très ancienne et aujourd'hui encore attire milliers de visiteurs et touristes. Des lieux exceptionnels qui permettent de découvrir le Salento spontané, caressé par la brise de la mer ionienne et enchanté par des paysages pittoresques et uniques.